tête une fois une femme qui pleurait tout le jour. Oh, comme je suis malheureuse. Je n'ai pas d'enfant. Et dans la fleur, il y a une toute petite fille. Pas beaucoup plus grande qu'un pouce. C'est pourquoi on l'appelle Poucette. Quelle charmante petite demoiselle! Elle fera une épouse parfaite pour mon fils. C'est le printemps dans la forêt. Les fleurs éclaboussent la nature de couleurs. Mais bientôt le mois d'août arrive et le soleil darde ses rayons. La forêt change de couleur et revêt son manteau de splendeur. C'est l'automne. Et bientôt les jours raccourcissent. Il commence à faire plus frais. Les paysages autrefois familiers prennent maintenant un aspect inquiétant. C'est mon voisin, Monsieur Lactot. Il vient me voir chaque semaine. S'il pouvait t'épouser, tu serais bien heureuse. Hirondelle, sommes-nous bien loin de chez Monsieur Lactot? Sommes-nous bien loin du crapaud? L'hirondelle dépose Poucette sur une grande fleur au milieu d'un champ de fleurs. Et miracle, la fleur était habitée. Wow. Si tu veux, tu pourras rester ici. Tu seras notre princesse de la lumière et des couleurs. Ils ne sont pas morts, ils dansent encore.